tout le monde. Moi, c'est Sterling Casimir, étudiante en administration publique de l'Université de l'État d'Haïti. Participant dans le concours qui est organisé dans l'occasion 5e anniversaire de l'État, notre thème ça a qui c'est que les gens sont capables de renforcer la cybersécurité en Haïti. Moi, je choisis de sensibiliser la population haïtienne sur l'importance de la cybersécurité et puis éduquer sur les bonnes pratiques sur Internet. Cybersécurité est important en pile pour protéger le système ordinateur, réseau et données contre menaces sur Internet, tant que attaque cyber et violation de vie privée. Parmi toutes les importantes cybersécurité, mais quelques points clés. Cybersécurité protège les données personnelles mounio contre vol d'identité, faute financière et l'autre mauvaise forme d'exploitation. Il y a aussi la confidentialité et information sensible, qui tient au niveau personnel, commercial ou soit gouvernemental. Il y a bien intégrité ce système-là pour empêcher la manipulation numérique. Il garantit le bon fonctionnement dans le business et l'infrastructure. Il encourage le développement économique digital, le protège les transactions sur Internet et facilite un environnement commercial sécurisé. Il aide les organisations à conformer pour éviter les pénalités légales et financières. En gros, la cybersécurité est importante pour assurer la stabilité, la confiance et la continuité du business dans le monde qui évolue numériquement. Pour assurer une expérience sur Internet en toute sécurité, bonne pratique en ligne est importante. Mais quelques conseils. Servir avec logiciel antivirus pour protéger appareil contre malveillance. Servir avec un mot de passe solide et unique pour chaque compte. Toujours faire mise à jour pour capable bénéficier des dernières plaques sécurité. Checker email avec un pile précaution pour éviter de cliquer sur lien qui suspecte ou soit sensible ou soit bas information personnelle. Servir à connexion HTTPS lors de naviguer sur le site, surtout lors de faire transaction. Protéger Wi-Fi avec un mot de passe solide et puis éviter de connecter avec réseau qui n'est pas sécurisé. Faire sauvegarde de données de temps en temps pour éviter toute perte possible. Éviter de partager informations sensibles et puis faire attention à ce que vous postez sur les réseaux sociaux. Checker sous légitimité nouvelle avant de partager. Lorsque vous pratiquez ça, vous êtes capable de renforcer la sécurité sur Internet et puis minimiser les risques liés à l'activité sur Internet. Merci.